Voilà pourquoi je crie. Je suis seule, coincée entre moi et moi-même, entre deux personnalités. Je ne peux dissocier. Comme mon âme et mon esprit, je dois ainsi vivre entre eux deux, entre leurs bagarres à n'en plus finir, entre leurs crises de folie qui grondent en moi. En mon cœur mal établi, entre eux, ceux qui s'envolent sans se comprendre, sans arriver à s'entendre. Entre eux, il n'y a aucune accalmie. Ils se battent en moi le jour et la nuit. Aucun répit ne m'est accordé, ni l'intense repos du guerrier. Voilà pourquoi je crie. Voilà comment ressort mon cri. Si les mots ne ressortent pas, les douleurs deviennent trop vives. Les mots, soulagés par les mots, pas toujours malheureusement, pas dans mon cas, mais ils sont soulagés parfois. Avant de refaire surface en frappant de plein fouet, douleur mineure ? Non, que des cas majeurs. En intensité qui me brûle le sang, qui détermine une finale qui semble arriver en force, en trop grande force pour que je puisse m'y préparer. À quand la finale ? En temps et lieu, aucun avertissement ne sera clarifié, aucune chance d'en avoir à l'avance, seul à travers le temps des mots, seul avec le temps de décrire ces mots.